suffit ou plus? J'ai du pain sur la table. Ça fait chaud? Là, il commence à enlever. Nous avons créé notre propre structure, Strasbourg Action Solidarité, pour venir en aide aux gens de la rue, mais aussi aux travailleurs précaires. Notre association a vu le jour il y a 8 ans maintenant. Ici, nous réalisons des repas principalement, mais nous avons surtout un lieu d'accueil où les gens peuvent venir prendre un café, avoir un moment pour discuter, pour avoir du relationnel. À travers ce service-là, on arrive à tisser des liens avec les gens. Et souvent, on est le dernier rempart qu'il leur reste d'accroche avec la société. Nous cuisinons tous les jours au Hara. Nous avons une grande chance de cuisiner au Hara puisque le Hara nous a ouvert ses portes et ses cuisines. Et nous avons des bénévoles du Hara qui nous aident tous les jours, 7 jours sur 7, pour pouvoir nourrir les personnes qui sont en hôtel. Aujourd'hui, j'accompagne Valérie de l'association Strasbourg Action Solidarité pour la préparation des 350 repas à destination des plus démunis. Je suis ravie d'être là aujourd'hui en tant qu'équipière grâce à Electrodépôt, de pouvoir donner une journée de mon temps pour pouvoir donner un coup de main à une association qui en a besoin. Seul, on peut rien. Plus on est nombreux, plus on est solidaire et plus on peut être actif. Nous lançons un partenariat très intéressant avec Electrodépôt. Nous avons eu un don hyper généreux de matériel. Mais au-delà de ça, en fait, nous serons très heureux d'accueillir des membres du personnel pour leur faire apercevoir ce qui se passe en une journée chez les bénévoles et dans l'action. On les attend avec beaucoup de plaisir.